¿Es todo lo que lleva? Aujourd'hui, on est lundi, j'ai mon bac donc mercredi avec l'épreuve de philosophie et je viens dormir ici parce que depuis 3 semaines, tous les soirs, enfin mercredi, jeudi, enfin tous les soirs du week-end à partir du mercredi, on est dérangé pour dormir parce qu'il y a du bruit, que ce soit de la place Saint-Pierre ou de la rue des Blanchets. Donc moi, j'habite place de Bologne. Donc c'est entre la place Saint-Pierre et la rue des Blanchets, mais je suis obligé de venir ici parce qu'on est dérangé dans tout le quartier à cause des supporters, mais aussi des gens qui sont dans les cafés, qui font énormément de bruit jusqu'à très tard. Et comme je dois me lever tôt le matin, bah, j'ai pas le temps d'avoir assez de sommeil pour être efficace dans la journée. Oui, donc je suis venu ici, c'est à 2 minutes, et le problème est le même en fait, c'est que là je suis moins dérangé par la place Saint-Pierre, mais plutôt par la rue des Blanchets, avec le juice, parce qu'ils jettent des bouteilles par terre, ils gueulent toute la nuit quasiment, et on peut pas dormir en fait. Puis il y a aussi la musique avec les tambourins, et on ne trouve pas le sommeil avant 3 heures du matin. Alors j'ai mon épreuve le 23 juin, mon prix de violoncelle. Et le 21, il y a la fête de la musique. Et depuis 10 ans, le jour de la fête de la musique, bah, on ne peut pas dormir de toute la nuit parce qu'il y a de la musique toute la nuit, ce qui est normal. Sauf que pour passer... une épreuve comme ça, il faut être efficace dans le travail. Et si on ne dort pas assez, et ben ça sert presque à rien de travailler parce qu'on n'est pas efficace pendant le travail qu'on fait. Donc, je ne peux pas travailler en fait, enfin efficacement. Donc, il y a une amie qui m'a proposé d'aller dormir chez elle à la campagne ben, le 21, le 22, pour que je puisse me reposer en fait. Sauf que moi j'habite ici et ça serait bien de pouvoir vivre tranquillement chez soi en fait. En fait, c'est presque toujours comme ça. Il y a une douzaine d'années, nous sommes arrivés il y a une douzaine d'années, on habite place de Bologne. Bon. Ça ne se passait pas du tout comme ça. Il y avait déjà un petit peu de bruit, mais ça a monté très très rapidement. Alors, effectivement, pour mon fils, ça m'ennuie parce qu'en plus, il a deux épreuves le même jour. Le 23, il a l'épreuve de musique du bac. Et l'après-midi, il a l'épreuve du conservatoire. Donc, ça fait beaucoup de choses à travailler. Il faut qu'il se concentre énormément. Il a le bac qui commence cette semaine. Donc, ça veut dire qu'il ne pourra pas faire 5 à 6 heures d'instruments par jour, ce qu'il lui faut absolument pour passer un prix,
Donc je suis quand même un peu inquiet parce que vraiment, avant, on avait du bruit à partir du jeudi. Jeudi, vendredi, samedi, le dimanche, c'était plus calme. Maintenant, ça commence, vous voyez, hier soir, ça a été intenable, intenable jusqu'à 3 heures du matin. Maintenant, ça commence le lundi, en tout cas le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il n'y a que le dimanche où on est à peu près tranquille. Voilà. Et ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Et c'est dans tout le quartier. Hein. Je pense que c'est pareil, rue Pargaminière. J'ai des amis qui sont rue Pargaminière. Rue Larrey, alors n'en parlons pas parce que c'est une rue qui est assez fermée et qui est dans laquelle on entend beaucoup de bruit parce que ça résonne beaucoup. Rue des Blanchets, n'en parlons pas. Moi, je suis. On habite Place de Boulogne et j'entends souvent le juice, par exemple. J'entends les basses, très souvent, qui me dérangent. Et alors, ce qui est étonnant, c'est quand on est couché qu'on entend les basses. Quand on est debout, on n'entend pas. Et sitôt qu'on se couche, on entend les basses. Et ça, c'est. Alors, c'est difficile, on peut pas s'endormir. Enfin, bon, en ce moment, on a les fenêtres ouvertes. C'est tout un problème, voilà. Bon, moi, je comprends les gens qui veulent s'amuser, ça, il n'y a pas de problème. On est tous passés par là, mais. Bon, pas à ce point, jeter les bouteilles, casser les bouteilles sur la place, enfin, bon, ça, vraiment, c'est intenable, intenable. Ben écoutez, moi, j'ai l'impression que les pouvoirs publics ne nous écoutent pas, tout simplement. J'ai des amis qui sont en réunion très souvent avec la mairie, que ce soit celle-ci ou celle qu'il y avait avant, hein, c'est pareil. On ne nous écoute pas. Ou plutôt, on nous écoute. Mais ça s'arrête là. Je rigole, mais c'est pas si marrant que ça. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà, je ne sais pas ce qu'il faut faire.